nom de Palette Prime, célèbre pour l'orange riche et le jaune éclatant de son feuillage, ses sons et sa poésie exaltante. La présence d'énergie de Confusiombre a muselé la synthèse naturelle des pigments, rendant la canopée terne et sans vie, transformant ces forêts en un labyrinthe de ténèbres, là où des créatures ensorcelées vous observent, ne sachant plus si elles doivent vous venir en... Et puis, le potiron, c'est pas bon. Attends, Ginny, c'est une blague ? Qu'offres-tu, belle âme, doux cœur sain de feuilles? Sylvestre, sagesse, amère recueil. Loyal rongeur, quel salut ainsi donne? Une cavatine d'espoir tu chantes, chantonne! Mais qu'est-ce, océan? L'espoir, tel l'aigle volant. Ginny, qu'est-ce que c'était que cette approche? As-tu optimisé tes protocoles d'atterrissage? Ou Lapa Luigi a-t-il encore renversé du guacamole? L'atterrissage d'urgence a été causé par une interférence sans rapport avec la confusion, mais avec la dramaturgie? Partez, amis, fuyez. C'est T.S. Woodrow, gardien de Palette Prime et poète amateur régionalement célèbre. Il édite lui-même ses recueils. Oh, malheur et infortune! Traduction, les arbres ont perdu leur pigmentation d'anthocyanidine et de caroténoïdes nécessaires. C'est sans conteste l'œuvre d'un tentacule de Confusiombre, quelque part dans les bois et... Requiem! Requiem! Quelque part sur la place du village, les villageois sont terrorisés par un deuxième tentacule et quelque chose d'autre qui sème le chaos. Quoi qu'il en soit, le pont vers la place du village est brisé. Le seul autre accès possible est par un passage secret sous la maison de Woodrow. Comment as-tu compris tout ça avec 2-3 vers d'un poème vraiment déprimant? Une analyse littéraire des 7643 poèmes de Woodrow a mis en évidence ces schémas de pensée. J'en déduis que... Une forêt souillée par la Confusiombre? Un village? Oh, nous n'aurons pas le temps d'aller à une dégustation de cidre sans alcool pendant que nous sommes... Ha ha ha!
par un gouffre. En quoi est-ce un raccourci efficace? Quelqu'un peut-il faire lumière sur ce... Rayon d'or? Je croyais qu'on t'avait laissé au littoral lumineux.
chasseuse de Spark. Bowser est loin d'être un ami, lui aussi. Il aime beaucoup kidnapper la princesse Peach. Enfin bon, on ne peut pas le laisser en pleine confusion.